Hello à tous, c'est Gohan San et aujourd'hui on attaque le deuxième épisode du Let's Building. Let's Building. Tiens, c'est comme ça, je vais l'appeler. On a une belle vue sur le toit de Corby. Bon, trêve de plaisanterie. Donc j'ai fait 2-3 repères, enfin un repère, un off. Donc c'est un repère d'étage. Et je me suis aperçu, voilà, avec mon pattern que je vais faire dessus. C'est toujours la forme et le design du briquet, hein. Vous voyez, il y aura des bandes grises qui vont partir en biais, un peu plus en biais que celle-là depuis en haut, et puis à peu près égal, ouais, celui d'en bas il est égal à celui d'en haut, en gros, voilà, le biais il sera égal là, et lui il descendra beaucoup plus bas. Donc ça c'est le design du briquet, comme j'y trouvais sympa, je vais le reproduire là-dedans. Sauf que, voilà, par rapport aux étages, j'ai un petit souci. Alors, vous vous rappelez, j'ai fait la hauteur au pif. Hein. Du coup, je vais être obligé de rehausser un peu le haut. Je vais vous expliquer tout ça en détail. C'est-à-dire que là, j'ai 1, 2, et... ici, ça sera sur le troisième étage. Voilà. Donc après, on refait 1, 2. Celui-là, il est sur le troisième étage. 1, 2. Celui-là, il est sur le troisième étage. Et après, donc après ça, normalement, il n'y a pas d'étage. Mais peut-être que j'en ferai... je sais pas. Mais du coup, pour le dernier là, il faudrait 1, 2. Et sur le troisième étage. Donc en gros, il faudrait qu'il soit... je fais un 1 bloc. Donc il faudrait que ce soit là. Le problème c'est que vous voyez, il y a une grande différence. Et après là, par rapport à mon truc, c'est un tout petit peu trop... on va peut-être pas rehausser, non. Non, je pensais rehausser, mais voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Donc 3. Ah ouais, non. Donc, ouais. Du coup, il reste plus que 2, là, ça va pas. Non, on va rehausser. Donc, je vais rehausser en off. Et je vous reprends tout de suite après. Et donc, donc voilà, j'ai monté ça de 8, hein, vu que c'était un cran de... enfin, un étage plus bas. Donc voilà, la forme définitive sera celle-là, enfin forme, la hauteur définitive, voilà, ce sera celle-là. Donc celui-là, hein, je ferai tout ça en off, pas vous emmerder avec, hein, ce sera juste de la copie, retête, tout ça. Et en plus, juste pour lever le truc là, bah, j'ai fait cracher 2 personnes. Donc voilà, je ferai ça quand... qu'il y aura personne, histoire de s'emmerde personne du tout. Donc alors là, j'ai regardé un peu mon modèle encore, je me suis aperçu que finalement c'est trop fin. Donc je vais augmenter encore d'un cran. Donc un cran là. Et là du coup on est au sol. Ça c'est le sol, hein, vous voyez. Donc ça c'est, ça représente le sol. Ça, ça représente l'étage. Hein. Je ne me rappelle plus si je vous avais... vous avez dit ça. Là après, bon, on va faire un trou juste pour qu'on voit dedans. Donc je vais faire pareil aux autres. Alors voilà, ça c'est en fait c'est juste pour donner du design au bâtiment, quoi. Alors j'espère bien y arriver. Je vais utiliser Voxel pour faire le truc, vous allez voir, de toute façon. C'est un truc qui est bien pratique. Tac, et le dernier.
Comme ça, on a nos lignes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est bizarre. On a nos lignes bien droites et ça... Voilà. Ce sera les lignes à suivre. Donc, oups, excusez-moi. Je vais prendre une autre couleur. On va prendre un jaune. Je vais venir. Alors là, on va tirer des traits. Voilà. Je vais appareiller ça. Un peu plus loin que le bord là, éviter de rentrer dedans tout de suite. D'ailleurs, je vais faire plutôt des stacks, ce sera mieux. On va voir combien. Stack 13, beau chiffre. C'est bon. Pareil. Là. Ici. Là. Déconne. Voilà. Donc je fais de ce côté là, puis après ben c'est juste du flip de l'autre côté. Alors le but du jeu, ah oui, puis il y a aussi ça que j'aimerais bien reproduire tout en respectant nos connexions textures, hein. C'est à dire qu'ici à peu près au milieu du truc, à peu près, on va prendre la largeur de ça, on va couper en deux, et à partir d'ici il y a un petit peu comme ça, et puis ça fait un triangle comme ça là, gris. Donc je vais le reproduire aussi tout à fait, sachant que ici j'ai pas encore fait, mais il y a un petit arrondi là. Comme je vous disais dans le premier épisode. Bon. On va commencer par celui d'en bas parce qu'on connaît déjà la pente. Je vais utiliser Voxel ou je vais utiliser des... Comment dire? Vous savez, là-bas ça descend de 3, donc ici ça descendra de 3 aussi. Après jusqu'au milieu. Non, plus loin que le milieu. Non. Ah oui, d'accord. Le milieu, c'est lui qui arrivera au milieu. Lui, il arrivera un peu moins que le milieu. Lui, plus loin. Et lui, encore plus loin. Jusque là. En gros, je vais essayer de faire en sorte que ça arrive sur ce pan. Donc en gros, on va essayer d'arriver. Je mets des repères encore. Ce sera plutôt une vidéo de repères aujourd'hui. Peut-être même plus bas. Donc vous voyez, je vais faire ça carrément à l'extérieur, hein, à l'extérieur du bâtiment. Et ensuite, je projetterai toute la pente là contre le bâtiment. Et après je reproduirai comme ça. Alors sachant que oui, le voxel alors. Et toi. Le voxel sera juste pour rejoindre. Parce que là, vous voyez.
il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai envie qu'il reste plus que 3 là-bas, au moins. Donc forcément, ça sera pas la même pente en haut et en bas. Alors, je vais faire... Je regarde encore. Je vais me baser à chaque fois sur celui d'en haut. Donc celui d'en haut, là, ça fait 3. Ensuite, 3. Tomber sur lui. 3 au moins. Voilà. Voilà. Vous imaginez du coup le truc là dans le sur le bâtiment. Ensuite là. 1, 2. Donc 3 là. Et là je vais utiliser Voxel. Mince, je sais jamais où il est. Fait verte. Alors déjà on va l'appeler yellow. Je pense que ça devrait être... non. Ah donc V c'est... alors yellow c'est combien? Alors attendez, oh là là, 35.4. 35.4. Ouais, si je la veux jaune, pas le droit. Tant pis. Et on va faire juste B L. Non, espace L. Vous voyez, type line. Et avec. Je vous l'explique là parce que j'ai eu du mal à trouver un tuto parce que en fait il y a Mamar et Defroy qui savent bien s'en servir. Non. TCR. Oh là là. Je disais quoi? Oui. Il y a Mamar et Defroy qui savent s'en servir de ce truc. Mais le problème c'est que quand je voulais m'en servir à un moment donné, ben, c'était pas disponible. Donc le first. Donc on sélectionne le premier point, donc là ou là-bas. Avec la flèche, on change, on prend la poudre de poudre à canon et on sélectionne là et vous voyez, on a la ligne qui se crée. Tout simplement. Donc vous sélectionnez donc V c'est je pense c'est la value, je sais pas quoi, donc c'est le type de bazar. Et B espace L c'est le brush de line en fait, brush de ligne, et avec ça ça nous donne le deuxième point. Voilà, c'est des trucs qui servent à rien pour la construction, donc je pense que Voxel sont utilisés ça pour voilà. Donc on va faire pareil ici. Alors du coup on va prendre celui d'en haut parce que celui d'en haut lui part à 45. Alors il part à 45 degrés et il va venir à peu près ben là. Alors non. Ici. On adaptera si besoin. Donc vous voyez, là c'était à 2. Bon alors c'est à 3. Si ça c'est à 2, c'est à 3. 2, donc 3. Donc ben c'est même au quatrième.
Et à mon avis, ce sera plus bas que ça. Donc là, je pense là. Hop. Donc on va faire pareil ici. On descend de 1 cette fois. Donc j'espère que ça va aller. De 1, donc comme ça. On va faire ça exprès. Alors je fais ça parce que je lis, comme je vous disais l'autre coup. Parce que le voxel, lui, il le fait. Donc comme ça, je me trompe pas après pour les éliminer si je les élimine. Bon, ça va descendre bas. Hein. Quoique. Ouais. Ouais, en fait, ça descend pas si fort que ça. Vous savez quoi, là, à partir de maintenant, je vais faire au pif. Je vais faire un voxel, parce que là, moi j'en ai pour des heures. Et du coup, ben, ça avancera pas en vidéo, donc... Donc, je vais faire... Je regarde depuis là. Là, ça descend comme ça. Donc ici, j'adapterai mon truc finalement à ce qu'il y aura là. Mais là, en gros, voilà, ça descend jusque là. Donc tac, tac. Donc là 3. Je vais faire. Comme ça. Comme ça, ben, je centrerai par rapport aux deux pour les deux autres. En blanc, c'est même un peu arrondi, donc je les mettrai peut-être un petit peu plus loin là. Ça déborde de combien? On laisse un espace. Ok, donc là tac, on laisse un espace tac, comme ça, hop. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est ce qui arrive dans ce genre de trucs. C'est un peu dommage. Tac. J'aurais préféré quelque chose de plus régulier. Voilà. Et tout ça après, ça sera rempli contre le. Contre le mur, bien entendu, mais... Il ouais. Faudra vous imaginer, bien sûr, là, pour l'instant, contre le truc. Donc, alors, ce que je peux faire, c'est de savoir combien il y a entre... là, il pourrait y avoir un speed en hauteur, là, ce serait cool. Et là, donc il y a, donc 48, on le divise par 4, alors je vais voir la calculette 2 secondes. Douze.
Donc on va monter, descendre de 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là. Et on va faire, pour être vraiment, centré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là. Et j'avais dit qu'on allait le pousser un petit peu, donc on va lui pousser 2. Voilà. Ici. Là, c'est pour que ça paraisse plus arrondi. Enfin, arrondi. Je me comprends. C'est-à-dire que les points là, là, là et là, quand on regardera de loin, ça fera comme si c'était arrondi. Pas droit comme là. Tout simplement. Donc là, hop. Puis je peux même faire d'ici. En fait, ça gagne du temps. Faut surtout pas par contre se gourer, surtout pas aller sélectionner un point là bas parce que ah, ça serait con. Et voilà, donc voilà un peu le schéma. Donc Défroid, lui, il monte le schéma quand il est fait, et puis après, ben, il fait devant vous sur son bâtiment. Et ben, moi, je vais faire l'inverse, histoire de faire pas pareil que lui, de pas faire pareil que lui. Donc, je mets en pause et je vous reprends quand j'aurai fait la suite et vous regarderez du coup à quoi ça ressemble. Donc, à tout de suite. Et donc je me suis trompé, c'était pas 12, parce qu'en fait j'avais divisé par 4, il fallait en fait diviser par 3, 1, 2, 3. Du coup, donc je vais vous montrer un peu comment je procède. Bon, ça vous savez, voilà, pour faire les trous, vous voyez, comme j'ai fait. Par contre ça fait irrégulier, c'est pas... D'ailleurs, là, c'est bizarre. Je regarderai bien comme il faut, mais c'est bizarre. Donc, on refait ça. Premier point. Deuxième point. Premier point. C'est précis, hein, d'ici. Deuxième point. Pareil ici. Là. Là. Et là. Donc voilà, après, un truc tout con, c'est que on va sélectionner à partir de... là. Je vois pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. On prend de là à là. On va stack stack 12 pour être pile poil. Non, bête. Stack 12 moins A. Voilà. Et tout simplement, pourquoi je fais ça maintenant ? On va venir prendre la deuxième sélection au lieu qu'elle soit là. Ben, elle sera tout de suite là-bas. Et on va replace toute la laine par 0. Et normalement, ça nous vide
voyez les trucs. Et là, voilà. Ah, mince, j'avais laissé le point. Tant pis. Du coup, après, bah, j'évite le trou. Donc, OSP récure quand il y en a besoin. Couvert. Attention de pas où. Voilà. Celui d'en dessous aussi. Et après, alors, je suis sceptique parce que je pensais mettre tout du gris. Hein, vous savez, le nouveau bloc de métal. Mais le problème, c'est que vous avez vu, ça faisait à des moments, parce que je voulais mettre un trou au milieu en même temps pour faire une sorte de vitre qui parcourt tout le long. Le problème, c'est qu'à des moments, ben, il y aura qu'un bloc. Donc, j'hésite peut-être à faire qu'en vitre, finalement. Et peut-être là-haut laisser un métal pour dire que ça appuie quand même sur quelque chose. Voilà. Donc s'il y en a qui connaissent ce briquet du coup. Moi ce qui m'embête c'est ça. Ça devrait pas être comme ça. Ça. En gros ça descend de 1, 2, 1 plat, 1, 2, 1 plat, 1, 2, 1 plat. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi ça avait fait ça. Donc on en est où? Vous savez quoi? On va faire ce truc là. Alors donc, trouver le milieu. Donc pour trouver le milieu, c'est simple, on va faire de là. Bon, ça fait bizarre. À la future bordure, on va faire size et je sais pas si vous voyez mon curseur, on a 69, 23 et 1. Donc la longueur c'est 69, donc le milieu ben, c'est un nombre pair, donc il n'y a pas de milieu impair, je veux dire 69 divisé par 2, 35, 35 d'un côté, 35 de l'autre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ils sont 12, 15, 18, 35, milieu il est là. Donc on va faire pareil, en laine. Tac. Et alors on va descendre de 1, 2, 3. Et après, on va descendre comme ça. Non, comme ça plutôt. Parce que je tiens mon plat ici quand même. Et après, on va descendre tout droit de 1. De 1 des décalages à chaque fois. Oups. Donc ouais, il y aura pas pour cette vidéo, il y aura pas l'aménagement des trous. J'aurais peut-être dû faire un métal direct. Alors.
là, il faut calculer avec ça aussi. Donc est-ce que de 1746. Et 46. Ripion. Voilà. Donc toute cette partie rouge là, même ce qui débordera après ici, sera... D'ailleurs, il faudrait que je décale tout ce côté-là. Bon, ça c'est pas grave, j'y ferai en off pour pas vous emmerder. C'est juste un truc qui va être chiant à faire. Toute cette partie là en rouge sera en gris et là il y aura un arrondi en même temps. Ça sera super cool. Est-ce que je peux... En gros, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ça. Ça. Stack. Non, c'est plus 25. Allez. Petite trentaine. Bah oui, j'avais fait un ovale de 15. Donc c'est 30, on va faire 31. Voilà, là, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir remplacer ça. Est-ce que vous croyez que j'ai le temps de vous montrer comment je vais remplacer ça? Non, de toute façon, il faut que je fasse encore autre chose avec. Donc voilà, je vais faire plein de trucs en off pour pas vous faire chier avec. Et je vous dis au prochain épisode. Pour là, je pense que c'est assez pour cet épisode. Je me suis énervé sur ces machins en fait. Voilà, vous imaginez ça en gris ou en vert, je sais pas quoi. Enfin en vert, en nice. Ouais, voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et ciao.